إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله والقران ايها الاخوه ايات القران سيدسين ايات الله سبحانه وتعالى اسمها ايه يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز Vous êtes des gens pauvres, c'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous ne pouvez pas vivre sans lui. Vous ne pouvez pas vivre sans la miséricorde d'Allah et sans la grâce de Dieu. Sans lui, vous ne pouvez pas vivre. Allah subhanahu wa ta'ala, لما أنزل القرآن, il nous a donné des règles de vie. Il y a deux semaines de ça, on a parlé d'une règle de vie dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il dit لَيْسَ بِأَمَنِيِّكُمْ وَلَا أَمَنِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ Ce n'est pas selon vos souhaits ou vos désirs. Ce n'est pas selon vos souhaits. Celui qui fait un mal, il sera rétribué pour ce mal. Une règle de vie. Si tu fais le mal, si tu fais une faute, tu vas payer. Quelle que soit la personne. Quelle que soit la personne qui fait une faute, elle paye. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça. Et je le dis aux enfants, si vous ne brossez pas les dents, vous aurez des caries. Si tu falsifies les papiers, un jour ou l'autre, tu vas te faire attraper. Fais attention, si tu fais une faute, tu payes. Ne triche pas. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit « وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا فَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ Regardez Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il nous dit. Il nous dit, si les gens du livre ont cru en ce message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils craignent Dieu, ils craignent Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur efface tout ce qu'ils ont fait, leurs péchés, tout ce qu'ils ont fait. Wa la tramnahum jannat al-na'im. Il va les faire résider où, jannat al-na'im. Les ulama, ils nous disent, al-jinan al-khamsa, les paradis sont en nombre de cinq. Jannat al-na'im, jannat al-firdaus, wa jannat al-khuld, wa jannat al-adan, wa jannat al-ma'wa. Akbar al-Jinan, le plus grand des paradis, c'est Jannat al-Na'im. Ou le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand vous demandez, demandez le Firdaus. Mais Jannat al-Na'im, a dit Ibrahim alayhi salam, Rabbi t'khinni waj'alni min warathati Jannat al-Na'im. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être quoi? Un héritier des jardins d'Idris. Jannat al-Na'im, Allah subhanahu wa ta'ala l'a réservé le muqarrabin, aux gens qui sont proches. Et il nous dit, les gens du livre, s'ils croient en son prophète, s'ils croient en ce message, Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il leur efface leurs péchés, mais il les met au plus haut degré du paradis. Juste après cette ayah, qu'est-ce qu'il nous dit ? وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, le message il est pour qui ? Il est pour nous aussi. لو أقمتم ما الله سبحانه وتعالى جعلكم فيه si nous remercions Allah et que nous faisons ce qu'il nous demande tu mangeras par-dessus et au-dessous de tes jambes يعني الرزق لا يخلو عن المجتمع إذا ماذا يقع في المجتمع qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que Allah سبحانه وتعالى يأخذنا بالسنين ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين c'est ce que nous dit Allah سبحانه وتعالى c'est ce que c'est السنين Les ulama nous disent qu'il y a une différence entre l'âme et l'âme. « لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا » أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا Il a vécu parmi son peuple, Nuh alayhi salam, 1000 sana, sauf 50 ans. L'âme, c'est l'année d'opulence. L'âme, c'est l'année de disette. Donc Nuh alayhi salam, il a vécu pendant 950 ans. Des années terribles, des années dures avec son peuple. Et quand le déluge est venu, Allah subhanahu wa ta'ala akhadha alladhina zalamu, il a pris ceux qui étaient injustes envers eux-mêmes et envers Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma Nuh, il a vécu pendant 50 aman fi hana, 50 aman fi rizqillah. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des exemples comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an, il nous dit
وإذا أردنا أن نهلك قرية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Si on veut décimer une cité, qu'est-ce qu'on met à sa tête? Les opulents, les mutrafoums, ceux qui nagent dans l'opulence. Fasakoufiha, ils pervertissent la société. Et Allah subhanahu wa ta'ala descend son décret. C'est quoi? Il dammar mutrafoum. Il détruit la société. Beaucoup d'entre nous pensent que quand on parle de destruction, il faut qu'il y ait un tsunami. Il faut qu'il y ait un tremblement de terre. Non. La destruction de la société, souvent, elle se fait d'une manière individuelle et d'une manière dhankil ma'isha. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Celui qui se détourne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَة. Vous savez ce que c'est la différence entre الحَيَاةُ وَالْمَعِيشَةُ? الْمَعِيشَة, c'est vivre, manger, boire, se reproduire. C'est ça le ma'isha. Ma'isha al-baha'im. C'est vivre comme un animal. C'est ça le ma'isha. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit même ça. Ça devient dur pour lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est détourné de mon rappel. Fait surat al-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Celui qui fait le bien, que ce soit un mâle ou une femelle, que ce soit un homme ou une femme, il fait le bien, وهو مؤمن, il est croyant, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une belle vie. حياة. ما معنى الحياة? الحياة, c'est que tu donnes un sens à ta vie. Tu construis ta vie de l'au-delà. Parce que الحياة من الحي. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite des cités comme ça dans le Coran. La cité par exemple, il nous parle de Saba, Surat Saba. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Subhanallah, le Coran al-Azim. Yani yukhallid athar. Allah subhanahu wa ta'ala, il éternise l'histoire d'un peuple dans le Coran. Pourquoi? Ayah. Ayah, pour que ça reste ayah pour les gens qui vont venir après. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن بعدك آية. الله سبحانه وتعالى dit on va te sauver avec ton corps. Par qui? Pharaon. Pourquoi? Comme ça tu seras un exemple, tu seras un signe pour les gens qui viendront après toi. Tout le pharaon, chaque pharaon, le tyran qui tue des millions de gens pour engranger des bénéfices, pour vendre des armes, parce qu'il a la tête des armes, la tête des usines d'armement, pour les vendre au Pentagone. Mais tant pis s'il y a des millions d'Irakiens qui meurent. Un jour ou l'autre, tu vas mourir, comme tout le monde. Un jour ou l'autre, tu vas mourir. Mais tu vas mourir comme Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tous les jours, Pharaon, il prend son peuple, il prend ses gens qui étaient avec lui, et les amène en enfer. Regardez, c'est ça l'enfer qu'on vous réserve. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit يقدم أهله يوم القيامة فأولادهم الولد المورود. Il sera à la tête de son peuple le jour du jugement. Il les amènera en enfer. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala ala Fir'aoun, sans citer son nom. Pourquoi? Fir'aïna kathir. Le Fir'aïna aujourd'hui, les tyrans. Il y en a, mais alors, et qui vit mal sa vie? Le petit peuple. Le petit peuple qui n'en peut plus. Pourquoi? فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا. Parce qu'on a laissé les opulents nous dicter leur loi. On a laissé les pervers nous dicter leur loi. Et du coup, on a un petit peuple qui n'arrive pas à joindre le debout. Qui n'arrive pas à joindre le debout. Et on a les opulents qui engrangent les bénéfices. Ceux qui ne travaillent pas engrangent beaucoup plus de bénéfices que celui qui se lève tous les matins pour aller travailler. Trouvez ça normal. فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا فَجَعَلْنَهُمْ كُلَّمَا مَزَّقْ. Regardez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala sur le Saba. لَقَدْ كَانَ فِي سَبَئٍ لقد كان لسبا في مساكنهم ايه جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلده طيبه ورب غفور. الله سبحانه وتعالى دي سبا ستين ايه. على فكره سبا هذا c'est un homme qui a eu 10 enfants après la cité après son nom. Les 10 enfants se sont dispersés après dans شبه الجزيره. Il y en a qui sont allés à Sham, les 4 ou 5 sont allés à Sham, d'autres sont allés à Hijaz, il y en a 5 qui sont restés au Yémen. Donc Saba est devenu une cité tellement opulente, tellement Allah subhanahu wa ta'ala a descendu les bienfaits sur elle, à tel point il y avait la sécurité. Et Jannatan al yamin wa shimal. Jannatan, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala dit les jardins, à tel point qu'ils étaient en sécurité qu'ils ne séparaient pas leurs jardins. Il n'y avait pas de séparation entre leurs jardins. Celui-là c'est le tien, celui-là c'est le mien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'ils étaient dans une opulence extraordinaire. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a descendu le risque.
لا كانوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم فأعرضوا فأعرضوا سيكسندي أعرضوا ils sont détournés du message d'Allah سبحانه وتعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم الله سبحانه وتعالى في الديلوج il les a fait noyer dans un déluge et tout ce qui mangeait avant c'est devenu quelque chose de pénible à grignoter. Ils n'avaient plus rien à manger. Ils sont passés de l'opulence à quoi? Ils sont passés de l'opulence à وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit. Et regardez, فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمْ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَا أَكْلٍ خَمْطٍ وَأَكْلٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ وَسِدْرٍ قَلِيلٍ. نعم. ذلك جزيناهم ما كفروا وهل يجازى كل كفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. Regardez, سبحان الله العظيم عجيب والله القرآن عجيب أيها الإخوة. Écoutez cette آية. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة قدرنا فيها السير سيروا فيها ليال وأيام آمنين. الله سبحانه وتعالى ندي On a mis entre eux والقرى المباركة. C'est-à-dire, ils étaient au Yémen. Al-Qura al-Mubaraka, c'est Sham. Al-Qura al-Mubaraka, c'est Sham. Sham, c'est la Palestine, la Jordanie, le Liban, la Syrie d'aujourd'hui. C'est tout ça, Sham. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est mis à Ardh al-Mubaraka. Ardh al-Sham, Ardh al-Mubaraka. Il dit, on a mis entre eux une distance. Et sur cette distance, on a mis des chemins, des autoroutes. Les caravaniers, avant, quand ils roulaient, quand ils marchaient de nuit, ils marchaient un minime. Ils avaient la sécurité. Et cette sécurité, elle était créée par quoi? Par des stations, des aires, comme les aires d'autoroute aujourd'hui. Il y avait des aires où les montures se reposaient, où ils pouvaient se reposer, où ils avaient des gens qui pouvaient garder leurs animaux, leurs marchandises. Un minime. Vous savez ce qu'ils demandent à Allah? Ils demandent à Allah d'éloigner. Hein, ils ont voulu éloigner ces stations d'air de repos. Pourquoi? Pour que les pauvres n'y arrivent pas. Ça ne vous rappelle rien. Ça ne vous rappelle rien. Il y a des hommes du peuple. C'est qui les gens qui bloquent aujourd'hui? Ce sont des gens du peuple. Apparemment. Ça a vérifié, je ne sais pas. Ils ont trouvé un citerne, une camion-citerne avec des réfugiés dedans. Ils les ont vendus. Allah subhanahu wa ta'ala, regardez ce qu'il nous dit. Ces gens-là, ils ont voulu éloigner les aires d'autoroute, les aires de repos, pour que les gens pauvres n'y arrivent pas, ils ne peuvent pas faire le commerce comme eux, d'aller jusqu'au Sham. Qu'est-ce qu'il a fait Allah subhanahu wa ta'ala? قالوا ربنا باعد بيننا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث. فجعلناهم أحاديث. Ça veut dire quoi جعلناهم أحاديث? On parlait d'eux dans tous les pays. Regardez comment ils étaient, comment ils sont devenus. Regardez comment maintenant, si vous faites comme eux, les gens ils se disaient, si vous faites comme El Sabah, regardez ce qui vous arrive. Les gens ils commencent à se battre dans la même société. Regardez ce qui vous arrive. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. Une société déchirée, Allah subhanahu wa ta'ala, il en a fait. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Allah ayyuhal ikhwa. Ça suffit. Tu lis juste les ayat et tu écoutes, tu regardes ce qui se passe autour de toi. Allah subhanahu wa ta'ala a mis des lois. Si on respecte ces lois-là, Allah subhanahu wa ta'ala il descend sur nous al khayr al barakat. Et si on ne respecte pas les lois divines, c'est qu'on ne respecte pas les lois qu'Allah a mis sur terre. Hadari hadari min sakhatillah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfiru wa yaghfir lakum innahu wal ghafurur rahim. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ça suffit أيها الإخوة. الله سبحانه وتعالى يذيقنا les basses le jour. Tu vas faire tes courses, il y a des gens qui sont passés avant, ils ont dévalisé les supermarchés. Qu'est-ce qui se passe? Non. Les basses le jour, on a peur. On a peur de l'avenir.
On a peur de mourir de faim, on a peur de tout. Pourquoi ? C'est lui qui a descendu la sérénité. As-sakina, tu peux lire tous les livres, je vous ai dit à lire quoi ? Tu n'auras pas de sérénité. Mais le khawf, de quoi ? Le khawf de l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'on a coupé ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des opulents qui ont voulu nous couper de ce lien avec Dieu, de ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui se passe ? La société est malade. La société est malade et la société ne peut retrouver sa sérénité que quand elle en trouvera ses liens avec les lois divines. Ayyuhal ikhwa, un frère de Martigues me dit qu'il y a un père de famille qui est décédé. Nas'alullahu du'a. Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lah wa yarhamah wa yaskinu fasih al-jinan wa yulaqina bihi fi jannat ar-ridwan. Amin, amin ya rabbal alamin. Et notre frère qui est à l'hôpital en ce moment, nas'alullahu al-shifa wa li'amati al-muslimin. اللهم اشفهم وارض عنهم اللهم اشفهم وشافهم وارض عنهم يا شافي اشفي انت الشافي لا شفاء لا يغادر سقما يا الله يا الله يا ذا الجلال والاكرام انزل شفاءك على عبدك يا رب العالمين اللهم اشفهم وارض عنهم يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وابداننا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا الى الصلاه